Bonjour à tous! Le problème aujourd'hui est le suivant. Jean-Michel est un agriculteur. Il a planté 12 rangées de carottes dans un champ et chaque rangée contient 6 carottes. Combien de carottes Jean-Michel a-t-il planté? Pour résoudre ce genre de problème, une première chose qu'on peut faire déjà pour se représenter un peu les choses, c'est se représenter une rangée de carottes. Je vais dessiner une rangée de carottes et une rangée de carottes. On a dit dedans il y a 6 carottes. Alors voilà, ça c'est mes carottes, elles sont peut-être pas très crédibles en tant que carottes. On peut essayer d'améliorer un petit peu ça en rajoutant les feuilles. Voilà, c'est fait. Là, j'ai 6 carottes, c'est une rangée. Maintenant, on nous dit qu'on a 12 rangées de carottes qui contiennent chacune 6 carottes. Donc on va vouloir représenter ces 12 rangées, et pour ça, je vais copier-coller cette rangée 12 fois. Hop, on en met une deuxième, une troisième fois, et de quatre cinq rangées, six rangées, et maintenant que j'ai 6 rangées, je vais de nouveau faire un copier-coller comme ça, plutôt que de copier 6 rangées, je vais juste dupliquer ce que j'ai là, 6 rangées et 6 rangées, ça me donnera 12 rangées. Donc, on a notre champ sous les yeux. On peut regarder, on a bien dans une rangée 1, 2, 3, 4, 5, 6 carottes. Et combien on a de rangées On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça va, je ne me suis pas trompé. Et on nous demande combien de carottes Jean-Michel a-t-il planté alors à ce stade-là, on a dessiné toutes les carottes. On pourrait les compter une à une, et sincèrement, ce serait beaucoup trop fastidieux et ce ne serait vraiment pas une bonne idée. Parce qu'on a un outil beaucoup plus pratique pour résoudre ce genre de problème, c'est justement la multiplication. Regardez, ici on a 12 rangées de 6 carottes chacune. Autrement dit, on a 12 fois une rangée de 6 carottes. On pourrait donc dire, littéralement, qu'on a 12 fois 6 carottes. Donc si on veut le résultat de ce problème-là, il nous suffit de calculer 12 fois 6. J'ai bien 12 fois 6 carottes. 12 fois 6, si vous connaissez vos tables de multiplication jusqu'à 12, vous savez que c'est égal à 72. Si jamais vous ne le savez pas parce que vous ne les avez pas apprises jusque-là, ce n'est pas un souci, regardez les prochaines vidéos, on vous montrera comment faire ce genre de multiplication. Quoi qu'il en soit, on a la réponse à notre problème. Combien de carottes Jean-Michel a-t-il planté Il a planté 72 carottes. Voilà pour ce problème. Merci de votre attention. Au revoir.